Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu, Demande à nos comptoirs d'envoyer des non, ressources arrête de parler s'il te pour plaît, protéger ces sur le gens. jeu Age of Empires 3, acte 5. Et donc, il faut protéger les ressources. Alors attendez, protéger les colons qui amassent du bois pour le fort. D'accord, donc en fait il faut récupérer du bois, par contre il faut les empêcher de nous tuer des gens-gens. Vous serez gentils. Je suis quoi, je suis les jaunes? Non, je suis les bleus. Yes, I'll do it. Right. Ils sont en train de me niquer tous mes... D'accord, on va faire fournir du bois. Ah mais en fait non, je peux pas. Je suis obligé de faire ça. Here's your Évidemment. command. I'll attack. Ça va être affreux, je le sens mal. Attack. I'll do it. Voilà. I'll attack. Ok, ça va être la galère en fait comme scénario. On n'a pas de villageois. Attack. I'll do it. I'll attack. On n'a pas de villageois, on a juste 3 Pékins. I'll do it. Attack. I'll attack. Ok. I'm going now. I'll do it. Le truc c'est qu'on a quasiment personne et très peu de ressources parce qu'au final les seules ressources qui passent ce sont celles du truc là. Merde, c'est vrai que ça arrive derrière. I'm going now. Right. I'll do it. Attack. Oh là là. C'est quoi cette horreur? On va jamais y arriver. Je peux en faire deux. Oh là là. Et voilà qu'il y en a d'autres qui se ramènent. Mais c'est débile. Comment on est censé se battre? Mais non, mais moi je me bats pas contre tout ça. C'est complètement débile. Il manque un paquet de trucs. I'll do it. De Pékin, on peut rien faire. On peut absolument rien faire, c'est débile. Ils vont tous les tuer. Et je peux rien. Sauf qu'il n'y a que cet endroit-là où ils peuvent récupérer du bois. Évidemment. Et là, plus ça va, plus ils arrivent. Il y a un truc que j'ai pas dû piger. C'est un peu bizarre. Parce qu'au final, là, ils s'entassent. Et je peux rien faire. Parce que là, il faut plus d'unités que prévu, là. Et c'est pas avec le peu d'unités que je reçois le peu de ressources que je reçois des comptoirs que je vais avoir quelque chose. Bon. On devrait pouvoir y arriver avec ça. Allez hop. Ok. Ok, c'est bon. Et on va pouvoir se remettre à couper du bois. Et nous, on va protéger par ici. En attendant. Voilà, je vais faire quelques... J'ai posé un point de ralliement. Ici. Ok. Ouais. Ça y est, ça recommence à... Ça repart un peu.
J'espère que ça va être bon. Hop. Ils sont combien? Je pourrais pas avoir plus d'unités parce que je suis en train de me faire défoncer. Mais je sais que je suis attaqué, mais c'est débile. Et là, ils vont me retomber dessus à mort. Oh là là. Oh mais merde. Ouais, ça y est, il s'est fait défoncer. Voilà. Ok. 50%. Tenir encore. I'm ready. Oh là là. Tuez-moi. Débile. 60%. En train de faire tout le tour. Oh non, mais ça attaque encore beaucoup. Bon, ok. On va devoir refaire des unités parce qu'il n'y en a plus. Recommencer. Donc on est à 70%. Il faudra reprotéger le... Bah, il faut refaire des unités le temps de pouvoir reprotéger tout ça. On va refaire quelques unités alors. C'est complètement débile. Oh là là, pourquoi avoir fait ça? Enfin, je veux dire, le principe est bien, mais dans ce cas, faut mettre plus de ressources ou alors moins d'attaques ennemies, parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Oh. Il y a pas assez de ressources. J'ai à peine de quoi faire une unité à chaque passage. Allez, 16. Toi t'es bientôt up. On va dire qu'avec ça, ça devrait aller. Voilà. Il y en a un qui s'est défoncé. Voilà, ça y est. Ok, c'est bon, c'est passé. Avec le point de ralliement ici. On va se mettre ici. Ça y est, il est up. Right. I'll do it. Ah, c'est chiant comme mission. C'est pas drôle. Ils vont nous retomber sur le poil en plus. Ok. Des unités qui arrivent, là aussi. Ok. Attack.
Ok. What is your command? I'll attack. Voilà, ça y est. On a 80%. Tout de suite. Allez, s'il vous plaît, coupez du bois plus vite. Plus c'est juste ça qui manque. Voilà, 90%. Il reste plus qu'un petit peu de mur. Voilà. Ok. Oh la vache, mais ça arrive en nombre encore. Attack. 90%, allez, dépêchez-vous. C'est infernal, ça se commande pas en plus ce genre de truc. Maintenant on va pouvoir chasser ces saletés d'indiens. Dépêche-toi, va détruire ce village. Attends, je vais détruire le village Sioux, mais j'ai rien pour le faire. Tu veux que je réduise un village en cendres? Mais ils ont rien fait. Pas encore. En plus, on ne peut pas prendre l'or tant qu'ils ne sont pas partis. Je n'attaquerai pas des femmes et des enfants. Je suis patient, petit, mais j'aime pas trop ton attitude. Tu es avec nous ou contre nous? À toi de voir de quel côté tu es. Sans ce fort, tu es trop exposé pour mener des attaques. Je pensais que tu valais mieux que ça, petit. C'est toi. Détruisez le poste de commandement du fort. Ah bah d'accord. Ok. Ok. Là c'est autre chose. J'ai des villageois. Bon, j'en ai un petit paquet, c'est cool. Je les mets à quoi? Du bois, la bouffe. Y'a pas de l'or? Si. Oh, mais j'en ai 8. Excusez du peu. Toc, là les péons qui arrivent. On va demander des ressources. J'ai besoin de bois peut-être. Voilà, tout ça, ça devrait arriver bien vite. Enfin là, il y a les cajots qui arrivent, donc ça va vite. C'est cool. Ah, ça nécessite du bois, ça nécessite de bois et de l'or. Bah, on fera ça avec de l'or. Ah, évidemment, les fauconneaux, tout ça. On va attendre d'avoir assez d'or pour faire 2 ou 3 fauconneaux. On peut déjà en faire 2. Oh, et avec tout ce qui arrive, on va même pouvoir en faire 3. Et avec ça, je pense qu'on pourra attaquer correctement le centre de commandement. Hop, on peut en faire 3, c'est nickel. Par contre, il va falloir que je mette des gens au bois. On va pouvoir attaquer. Pas assez d'or. Donc les tomahawks. Ah, il faut juste. Voilà, c'est bon. Pas assez de bois. Ah, c'est bon. Ok. Oula, ça a ramouillé. Surtout qu'il y a encore des unités qui arrivent, c'est cool. On devrait pouvoir rusher, ça devrait aller, je pense.
Faut encore du bois. Non, vous, vous restez là. On aura 3 frottos d'unités, c'est cool. Je préfère qu'on ait trop d'unités que pas assez. Attendez, je compte. 28, 28 et 8, 36. 41, 49. Ouais, c'est bon, on aura largement assez d'unités. J'en aurais même beaucoup trop en fait. J'en aurais même 3 fois trop. J'en conservais au cas où. Mais on va déjà aller avec ça. C'est ça qu'on veut exploser. Ah oui, mais pas le choix, on est obligé de passer par les petits côtés. Donc par là ou là. Ou là. On va passer par la gauche. On va gentiment passer par là. Ok. Pas assez d'or. Yes. I'll do it. I'm going. On va gentiment passer par là. Avec les 3 canons, ça devrait aller. I'm going now. Ça devrait largement aller. Allez, vous êtes lent. J'aurais passé l'épisode à attendre des gens. Dingue. Et là, qu'est-ce que j'ai en rab? Non, j'ai rien en rab. Oula. What is your command? Right. I'll attack. I'll do it. I'm going now. Attack. On va casser ça. I'll attack. Pourquoi ça ramouille comme ça? Et peut-être parce que mon disque dur commence à être plein. Détruire ça. Ouh. Ah oui, quand même, ça en fait des gens. Oh la vache, ça en fait beaucoup. Ah oui, ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Oh la vache. Ça a fait beaucoup, beaucoup de gens. Ok, c'est dommage. On va devoir recommencer. C'est pas très très grave, mais voilà. Du coup, il va falloir plus de ressources que je pensais. On va y aller avec ça. On va réessayer, on va voir ce que ça va donner. On va en laisser 2-3. Ok. On va essayer avec ça. Et on va passer en mode guerrier. Normalement, ça devrait mieux passer. J'espère. Parce que ça commence à faire beaucoup. Donc. Allez, ramenez-vous. Toi, t'es en train de rez. En espérant que ça suffira. Oula. Je vois énormément de trucs arriver là. Il y avait un canon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Ok. Le canon a été éliminé. On va faire venir les canons, on va directement l'attaquer à distance.
petit avant-poste. Toi tu te casses. Voilà, il se fait tirer dessus, sinon. Ça on va le détruire. Ça fera un peu de place. En plus on a l'air de pouvoir passer assez facilement du coup. Bah nickel. Voilà, ils se sont éliminés. Ok, c'est bon. La porte. Cassez-moi cette porte. On va faire avancer ça. Voilà, c'est bon. Oula, ça tire. Ah oui, ça tire des angles en fait. Non mais. Oh. Bande d'abruti. Si ça tire des portes, il faut vérifier quand même. Hein. D'accord, vous avez déjà éliminé tout ça. Ça c'est bon. Passe la dernière tour. Voilà, c'est bon. Allez. Voilà, c'est bon. Ok, on va réveiller tout le monde. Normalement, ça devrait aller. On va tout éliminer, histoire de. D'être tranquille. Alors, on va tout détruire. Tranquillou. Ou alors non, on est débile, on devrait directos rusher le truc de commandement. On a largement assez. Parce que là on est en train de se faire défoncer. Avancez plus vite. Vous me faites pitié là. Allez go. Le centre de commandement. On va tout défoncer, ça ira bien. Allez, 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 allez. C'est bon. Cassez-moi ça, arrêtez de hurler. Cette mission, je l'ai pas aimée du tout. Beaucoup trop longue, assez mal foutue. Ok, le fort est tombé. C'était quand même cramé qu'il allait trahir. Enfin, qu'il allait trahir. Qu'il faisait ça pour la thune. Sioux et Coulon se font face. Olma fuit avec ses bandits, laissant à Shaiton le soin de recoller les morceaux. Custer. Ah oui, Général Custer. Qui commande ici? Le shérif et ses bandits sont allés se terrer dans les collines. Beaucoup de gens les ont suivis. Pour moi, vous avez l'air d'un Sioux. Je m'appelle Chayton Black. Le chemin de fer m'appartient. George Armstrong Custer. Je suis ici pour mettre fin aux attaques indiennes dans la région. C'est le shérif Holm qui a provoqué les problèmes entre les Sioux et les mineurs. Il veut chasser les Sioux de leurs terres et se garder tout l'or pour lui. Le problème indien ne relève pas des compétences d'un petit shérif local, Monsieur Black. Les Sioux et les Cheyennes vont retourner dans leurs réserves, où ils auront affaire à moi. Donnez-moi une journée. Je vais aller chercher Holm, et il vous expliquera ce qui se passe. Comme vous voudrez. Je suis là pour un moment. Vous avez votre journée, Black. Mettez-la à profit. Ce racisme de Custer, normal. Personnage très connu pour être raciste. Confiance. Holm se cache quelque part dans ces collines. Nous allons gagner la confiance des Sioux pour qu'ils nous aident. Ok, mais ça on le fera dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai pas du tout aimé cette mission pour moi. Bon, j'espère que ça sera mieux sur celle-là. Hein.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour... Non, 4 jours, pardon, pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!